Nous retrouvons confection, couture, coiffure, c'est les détails des opérations, ainsi que les résultats définitifs qui vont déterminer le vainqueur de la compétition. Je viens d'Australie et j'ai la possibilité d'être témoin des compétences venant de la Chine, ce qui me permet de comprendre comment la Chine développe ses compétences. Nous discutons beaucoup de différences dans nos salons et nos formations, par exemple. Sur la route de la soie, nous pouvons partager notre savoir-faire avec ceux venant de l'autre bout du monde. Donc, elle est vraiment bénéfique à tous les participants et à tous nos experts. Ce partage de connaissances permettra d'améliorer nos industries et c'est génial de voir que nous avons créé des liens d'amitié et des réseaux que nous pourrons utiliser ensuite, longtemps après la fin de la compétition. Les concurrents apprennent les uns des autres. Ici, à la section menuiserie, de jeunes artisans venus de différents pays et régions, y compris la Chine, le Japon et le Royaume-Uni, façonnent délicatement leur art. Sa norme exige une exactitude de l'ordre de 0,3 mm et sa taille de 1 mm. Les règles sont très strictes. Il est entièrement appliqué selon les normes de la compétition internationale des compétences. Nous apprenons les uns des autres à travers le concours. C'est un bon moyen de connaître les avantages et les désavantages de chacun. Les organisateurs disent que les livres ne préparent plus les jeunes à livrer concurrence dans l'économie mondiale d'aujourd'hui. Cette compétition vise à les aider à élargir leurs horizons.